je vais vous présenter comment dégonfler et replier facilement votre réacteur. Dans un premier temps, je dévisse la bouteille. Je prends la pince de purge qui est dans la petite pochette et je l'installe sur la valve Venturi. Une fois que les airbags sont bien dégonflés, je vais entamer le repliage. Je ramène les tirettes des zips vers le bas de l'airbag. Sur le haut, je vais faire un pliage en accordéon. Et momentanément, je vais fermer le velcro pour me servir de guide. La technique de pliage est très simple. Je ramène le maximum de tissu de ballon vers le bas. Je termine de dégonfler ce qu'il reste d'air. Et je replie le surplus de tissu vers le haut. Je réarme mon zip. Et je ferme la poche. La même chose de l'autre côté. La technique consiste vraiment à ramener le maximum de tissu vers le bas pour obtenir la plus faible épaisseur possible. À la fin, je n'oublie pas de déconnecter les deux parties du zip en ramenant la tirette rouge le plus loin possible. Et je referme la couverture velcro. J'enlève la pince de purge. Je pèse une nouvelle bouteille. Je contrôle qu'elle n'a pas un poids inférieur de plus de 5 grammes par rapport au poids indiqué. Je contrôle que mon témoin visuel est bien redescendu automatiquement et je revisse la nouvelle bouteille. Et enfin, je referme la poche filée. Si vous souhaitez plus d'informations, arvaequipment.com.